Les poètes ne sont pas espèces d'hommes à marcher au pas. On ne va pas les enrégimenter, les faire se dandiner en rythme comme des majorettes. Non. En revanche, les poètes savent, quand la cause à défendre leur paraît honorable, unir leurs forces, lier leurs enthousiasmes et batailler sur le même front, chacun à sa manière. Maintenant, les poètes partent en guerre contre les envahisseurs de la lune. Et par ce film, voici ma façon de combattre. Je suis un grand adorateur du blanc satellite. Et je lutte pour sa sauvegarde, avec les moyens du bord. J'ouvre ma gueule. La lune est en péril. De nombreuses puissances humaines veulent la conquérir et l'exploiter. Aujourd'hui, la science permet de grands voyages astronautiques et l'humanité va répandre son génie. Il est donc temps d'interroger l'espèce humaine entière, car déjà des quatre coins du terrestre monde, les moteurs des fusées s'allument et vrombissent. C'est pourquoi je déclare ouvert le référendum universel lunaire, auquel chaque humain est invité à participer, en répondant à la terrible question : l'homme doit-il coloniser la Lune ? Avant de répondre, cogitons un instant à la situation lunaire. Veut-on y bâtir en un certain béton de régalite des hôtels avec vue sur la mer de la tranquillité ? Veut-on voir l'humain délire afficher d'immenses panneaux publicitaires entre deux étoiles ? Veut-on souiller le charme gratuit ? Fera-t-on de la Lune un objet de commerce ? N'engendrez rien qui gâte le spectacle offert lors de l'entrée lunaire sur la plaine cosmique. Voilà le bien, voilà le beau, voilà l'univers gardé en joie totale. Nous devons agir en toute hâte, car désormais, chaque pays se gargarise d'y être allé, d'y retourner ou d'y monter bientôt. Oh, certes, la prouesse est technologiquement superbe, mais le résultat, pour les poètes, c'est une tache sur le tableau lunaire. Merde ! Que les spationautes aillent s'aventurer sur Mars, Uranus, Neptune ! Pourvu que les dieux œuvre dans les esprits, de sorte que l'on accorde à d'éternam paix, lenteur et solitude à notre bonne lune, assignée qu'elle fût à céleste résidence, par une force exquise qu'il a voulu telle, traînant sa beauté que tous les poètes ont chantée. Gardons espoir. Oui, l'amour lunaire est inscrit dans l'homme, et cet amour est si profond que même les morts se réveillent. Verlaine, par exemple. Oui, Verlaine qui dormait peinard au cimetière des Batignolles, il est sorti de sa torpeur éternelle et il murmure des vers. Voilà, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis précipité sur sa tombe avec un dictaphone. Verlaine, scandalisé par les projets d'envahissement lunaire, il murmure des vers. Écoutons un instant. Faut pas piller la gueule la grand lune envoyée, quand la nuit, ralentie par la beauté venue, chante à plein sa lumière d'onde blanchoyée et travaille le charme à la fine cohue. Le texte n'a pas de fin. Bref, les morts sont outrés. Oh, cela devrait faire un peu réfléchir les cosmonautes en partance pour la lune. Marcher sur elle. C'est une forme de délinquance esthétique, d'outrage à la splendeur. Cosmonaute, mais il y a de la place. L'infini est infini.
je suis en train de rédiger un nouveau traité du ciel, un code juridique spatial tout neuf, avec de nombreuses lois lunaires qui serviront de base à la création d'un parc naturel cosmique empêchant toute approche de la Lune à moins de 10 000 km à la ronde. Aidé en cette tâche par deux avocats, avocats devenus pour l'occasion superbes, avocats d'affaires poétiques. Je suis très heureux de vous annoncer l'achèvement prochain du code lunaire. Prenons soin du merveilleux. Quelques tomes ont déjà été édités, d'autres arrivent. Sait-on assez ce que nous devons à l'astre régulier sur le plan de l'esprit, dans l'évolution des conceptions? N'est-il pas de haute importance d'observer comment les premiers hommes, levant la tête au ciel, ont quitté la bête, à force de s'imbiber les yeux de la clarté du petit luminaire? N'est-ce pas elle la cause de l'étonnement primitif? N'est-ce pas la première horloge? Coloniser la Lune, en faire un parc d'attractions, c'est piétiner le ventre de la femme enceinte de toutes les idées suivantes. Ce n'est pas l'horloge que je protège. C'est l'ajout du charme dans la marque du temps. Dans le cycle, les quartiers cognent nos êtres et nous aimantent au raffinement. Pourquoi profaner la terre des mélancolies, la muse ancestrale qui pleut ses rayons, sous lesquels l'esprit des hommes gagne en vigueur et passe outre mesure? Mais voyons les œuvres qu'elle inspire. Je n'ai point vu gueule tant luisante aux cieux des nuits de ma passée. Luisons de lune à de la pente et maintes joies d'elle causées. La grâce simple de ce petit quatrain d'un poète anonyme du XVe siècle. Et combien d'autres envois poétiques, combien d'œuvres peintes et musicalement composées furent par elle inspirées. Et entendre ensuite que les Chinois viennent d'y planter du riz et des tomates. Ah, il règne en ce moment un climat de lunophobie. Oui, votez, votez contre l'antisélénisme. Dernièrement, j'ai appris que Donald Trump avait ordonné à la NASA d'y envoyer la première femme. Il s'est trompé de Maison Blanche. Oh, les Américains! Oh, quand ils sauront que tout un peuple amoureux, artiste, superbe, prend la défense du blanc satellite, la peur gagnera Cap Canaveral. Et les fusées pointeront vers une autre cible, effrayées devant la puissance de l'esprit amoureux des beautés supérieures. Qu'ils prennent garde, ces Américains, ces Américains voyageurs, ces commerçants du ciel. Il est un trésor que l'on ne peut piller sans provoquer l'ire absolue des poètes. La mission Apollo 11 a volé 22 kg de pierres lunaires. La mission Apollo 12, 34 kg de pierres lunaires. La mission Apollo 14, 42 kg. Mais au voleur, au voleur! Alors, croyez-moi, je vis très bien mon anti-américanisme lunaire. Oui. Le premier homme revendiquant la propriété de l'astre, américain. Le premier homme à lui avoir marché dessus, américain. Et jusqu'au 12e et dernier à ce jour, à s'en être allé bafouer les droits de lune, tous américains.
D'ailleurs, le fameux Buzz Aldrin, lors de la mission Apollo 11, vexé sans doute d'être le poulidor de la course, il s'est dit, tiens, il faut que je sois le premier à faire quelque chose on the moon. Et là, le bibendum s'est mis à uriner. Buzz Aldrin est le premier homme à avoir uriné sur la Lune. C'est un grand besoin pour l'homme, mais une infamie pour la beauté. C'est là que c'est arrivé, là. Le seul Américain respectable pour sa profonde sélénophilie, c'est Michael Jackson, oui. Il a passé sa vie à se blanchir la peau, espérant enfin s'échapper et danser invisible son moonwalk élégant pour l'éternité. S'il ne s'agissait que de quelques traces de pas, les poussières de régalite les couvriront un jour, mais le plus effrayant, c'est d'apprendre que les sols lunaires contiennent des millions de tonnes d'hélium-3, un gaz rare aux capacités énergétiques exceptionnelles. La quête de rentabilité viendra-t-elle à bout de la beauté? Lorsque l'avidité aura soustrait toute matière utile aux industries, qu'en restera-t-il? La force gravitationnelle s'amoindrira jusqu'à ce que l'astre disloqué, troué comme un gruyère, échappe à la terrestre aimantation et disparaisse, traînant sa chair assassinée dans les profondeurs étoilées. Et tous les rythmes sur Terre seront bouleversés. Tiens, a-t-on jamais songé a demandé à la Lune ce qu'elle pensait des humains? Je vais lui passer un coup de fil. Gentils humains qui maintenant vivez, n'ayez le cœur contre l'une endurcie, car si pitié des vos charmes avez, ne voudrez plus voyager, pas ici. Voilà, tout est dit. Maintenant, observons cet appareil extraordinaire, un prototype hors du commun. Il s'agit de la modélisation de notre galaxie. Le mouvement des étoiles, des astéroïdes et des planètes a été enregistré pour le 19e siècle côté jardin et pour le 20e siècle côté cour. Deux mondes s'opposent donc. Une période du monde sans conquête spatiale et une autre avec. Observons bien. Côté jardin, la rotation des éléments montre une grande fluidité, une espèce de légèreté dans la vigueur perpétuelle. Et le chant qui résonne est celui d'un coffre plein de majesté. La luminosité, quant à elle, faite de nuances de bleu et de violet profond, témoigne d'un état général des plus gracieux. En revanche, côté cour, la rotation titubante et heurtée inquiète au premier regard. Le bruit qui nous parvient nous apparaît comme l'expression tristement sonore d'une lointaine cacophonie. L'écologie n'est pas une noble cause circonscrite à la Terre. Elle est désormais
une attention cosmique. Combien de tonnes de déchets métalliques circulent déjà en orbite autour de la Terre? Combien? Il faut en toute hâte créer un ministère de l'écologie cosmique. Admirer la Lune, c'est retrouver l'enfance du monde, le premier théâtre commun. Oui, le lien esthétique avec les 80 milliards d'humains morts déjà, qui connurent ce grain à germer des idées dans les cerveaux, des idées grandioses, grandeur nature. Hé, on n'est pas bien là? Hein, humain sublunaire, glissant dans le cosmos, sous l'influence des rythmes ancestraux qui nous ont engendrés? Pourvu que nous ayons le goût de l'épargner. Votez. Votez Lune libre. Heureusement, demeure en ce bas monde des beaux esprits enlunés, des toxicomanes qui ont des besoins de lumière courtoise et non trop appuyée. J'en ai croisé quelques-uns de ces êtres merveilleux. Le premier, j'avais 7 ans. J'apprenais le piano chez un vieux professeur, un Allemand redoutable. Il s'emportait souvent de colère devant le peu de travail que je fournissais. Un jour, à la suite d'une erreur, il me chasse du piano et il se met devant les touches. Il se tourne vers moi et me dit « La nuit prochaine, vers 1 h du matin, une lune énorme apparaîtra. Mais je t'interdis d'y jeter les yeux. Les paresseux de ton espèce ne méritent pas un pareil spectacle magnifique. Ne jette pas tes yeux vers cette lueur, la lampe des spirituels noctambules qui inspira Schubert, Beethoven, Debussy. » Et il se mit à jouer les œuvres baignées de ces rayons, identifiables au petit parfum d'aise qui court de note en note et qui répond à la beauté par la beauté. Il se mit à jouer le 3e mouvement de la suite bergamasque. Et la nuit venue, j'ai désobéi comme il le souhaitait. J'ai ouvert la fenêtre, les oreilles encore envahies, et j'ai goûté la profondeur du monde. Le cours suivant, M. Schmitt interpréta à nouveau le 3e mouvement de la suite bergamasque. Il acheva l'œuvre. Et il vit bien dans mes yeux le soutien des joies de bonne espèce. En m'invitant à commencer la leçon, j'entendis dans sa voix des inflexions nouvelles. Et face à face, à côté du piano qui résonnait encore d'harmonie, nous nous serrâmes la main. Et pour la première fois de ma vie, j'ai voulu dire merci au-delà des politesses. À présent, je vous laisse en compagnie d'individus remarquables qui ont bien voulu témoigner de leur amour pour elle. Parmi eux se trouve un martien. Oui, il y a même des poètes chez les extraterrestres. Il vient souvent sur Terre, il me rend visite. Ce martien cherche à communiquer avec les tenants du pouvoir humain pour leur faire entendre raison. Oui. Il cherche même à communiquer avec le pape. Souvent, je lui dis, fais-toi discret. Tu vas finir noyé dans le formol. Pour qu'il reparte content de notre globe, des religieux ont bien voulu donner une petite messe lunaire en sa présence. Ça lui a fait très plaisir. Voici la plus naïve des propagandes. La lune est arrivée. Je vais prendre un bain. Le combat ne fait que commencer. Ten, nine, eight, go for main engine start.
6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, reaching the crest of its historic achievements in space. And Houston, Atlantis is in a roll. Roger, rolling. Houston is now controlling. The roll maneuver is complete. Atlantis is in a heads-down position on course for a 51.6 degree, 136 by 36 statute mile orbit. And the three main engines on Atlantis have now been throttled down to 72% of rated thrust as the orbiter prepares to pass through the area of maximum dynamic pressure on the vehicle in the lower atmosphere. Il a posé son pied sans un bonjour, a tantiné son corps maladroit entre mes petits cratères, et puis, plop, s'en est allé, emportant des morceaux de ma chair. Maudit pantin. Thank you.
au clair de moi-même, mon ami Pierrot, prête-leur ta plume, qu'il m'écrive un mot. Eh bien, bon, je suis un sélénite. C'est un habitant imaginaire de la Lune. Et la Lune, je l'ai toujours dans la tête. Il n'y a pas besoin d'y aller pour être dans la Lune. Moi, personnellement, je suis assez souvent dans la Lune et je m'y trouve pas mal. Sans la Lune, il n'y a plus possibilité de réussite. Maître Fouquet détient des dons surnaturels. La Lune, les dons naturels, elle donne l'énergie. Maître Fouquet fait la magie. Ah là là là, la lumière tamisée, ambiance chaleureuse, musique classique en fond, la bonne distance entre les tables et le décor choisi, cosy. C'était le luxe, tu vois. Champagne. Oh oui, j'étais déjà folle de lui avant, mais alors là, j'étais presque quasiment, je ne sais pas, achevée, offerte, disposée à toutes les joies érotiques. Mais alors, nous en étions au programme de notre nuit d'amour. Oui, si, il me tenait par la main, il me susurrait des choses, de sa voix grave dans le creux de l'oreille. Il m'a dit qu'il avait un grand projet de dévoration, un désir d'ogre. Oh oui, imagine le bouillonnement, c'était magnifique. Et puis là, je ne sais pas, croyant faire mouche, enfin je suppose, j'imagine, il me dit « Je vais te percer la lune. Je vais te percer la lune. » Non mais, absolument. Oh bah la catastrophe, on va tout se refaire, écoute, on tire le rideau. Terminé. Basta. Abandon de poste, grève génitale. Oui, c'est affreux.
percer la lune. C'est insoutenable, c'est d'une violence, c'est inouï. Maintenant, je ne sais pas, enfin, ou deux mots pareils. Il aurait pu me dire, je ne sais pas, je voudrais t'en papaouter, t'en caldosser, te cuisiner l'oignon, m'outrager la caverne, oh, peut-être même abreuver le fondement, pourquoi pas. Je ne suis pas contre emporter dans le mouvement, mais là, non, bien sûr, c'est le choix des mots, la formulation, la manière de le dire. Percer la lune, c'est inouï. Ah non, terminé. Ah bah oui, ah bah, on tire le rideau. Je suis partie, j'ai fui. J'ai fui. Enfin, petit tour de magie, hein. Je suis là, je suis là, je suis là. Clac, je n'y suis plus. Et zo. Nous avons circulé à travers des milliers d'univers. Et nulle part, nous n'avons croisé d'astres plus finement réglés. Le spectacle est unique. The show must go on. Nous arriverons sur Terre, déclarer notre refus qu'une merveille si rare soit détruite à des fins mercantiles et absurdes. Humains, prenez garde. Impitoyables, nous serons envers quiconque foulerait le sol lunaire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. J'ai voulu aller sur la lune. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de la lune. Ô Christ, prends pitié de Sélénée. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, exauce-nous. Toi qui protèges la lune, entends nos suppliques. Prions ainsi le Seigneur. Amen. Nous allons à présent écouter la divine parole, l'évangile de Saint Jean. Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un astre envoyé par Dieu. Son nom était Lune. Elle est venue comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par elle. Et des chewing-gums, et puis des HLM. Hein? C'est quoi? Ok, voilà, ouais. Très bien, ouais. Vas-y, fais un mouvement. Très bien. Formidable. Ouais. Ok. Vas-y, oui, oui, très bien.
Je fais souvent l'amour. Et régulièrement, je suis étouffée de plaisir. J'ai remarqué que mes plus joyeux emportements correspondaient aux pleines lunes roulées au creux d'un ciel limpide. Évidemment, je ne peux pas déclarer sur l'honneur qu'à chaque grosse lune, j'ai frôlé l'épectase. Mais l'extase, oui, là, j'affirme. De même, si je chante le soir de son apparition complète, ou dans les deux jours qui suivent, la vigueur de l'organe est tout autre. La précision améliorée, la luminosité du timbre, plus étonnante. On ne devrait chanter que ces soirs-là. À ce propos, j'ai connu, à Vienne, un admirateur qui, me disait-il, choisissait les bonnes dates pour aller à l'opéra. Mais oui, la voix est orchestrée par l'influence lunaire. C'est officiel, dirais-je. La voix des cantatrices particulièrement. Celle des chanteurs ne connaît pas de tels bouleversements. Les hommes sont moins liés par nature au grand rythme que nous connaissons, nous autres, les femmes, au travers du cycle menstruel, qui correspond, à quelque chose près, au cycle lunaire. La force des hommes est plus terrestre. Et c'est très bien. Mais, voilà, ce sont les cantatrices qui fascinent, que l'on divinise. L'histoire le montre assez. Il faut croire que nous avons des racines agrippées aux nuées où nous captons des cadences d'une puissance extraordinaire. Je me dis toujours que j'ai deux chefs d'orchestre, l'un dans la fosse et l'autre ailleurs. Et je m'efforce de conjuguer la mesure humaine au geste céleste. Sans la lune, il n'y a plus possibilité de réussite. Maître Fauquoy détient des dons surnaturels. La lune, les dons naturels, elle donne l'énergie. Maître Fauquoy fait la magie. Alors, t'es qui, toi, ce matin? Bah, qui tu veux. Comme me disait François Mitterrand, déjà en son temps, la lune, c'est formidable. La lune, la terre des poètes. La lune, c'est chier, non? Et Bourville? Mon ballon de lune, mon ballon blanc de lune. Objectif Mars. Oui. Objectif Lune. Non. Sinon, on va la détruire, notre belle Lune. Cette terre de poètes. Et ça, ça me rend tout triste. Oh là là, cette histoire. Faut pas y aller. Faut laisser nu, hein. C'est écrit en grand dans ma tête. Faut laisser nu, un point, c'est tout. C'est le seul cul qui me reste. La lune, elle fait penser. Eh oui, elle fait penser dans le bon rythme. Elle a un grand pouvoir, la mémère. C'est un grand cerveau. S'il y a du monde dessus un jour, c'est la fin du charme. C'est comme si quelqu'un venait manger ta cervelle de ton vivant. Alors c'est un cul et un cerveau, la lune. Enfin, je sais pas ce que je dis, mais... C'est plus un cerveau, de mon point de vue. Parce que... Elle me fout des mélancolies dans la réflexion. Et des joies aussi, toutes fraîches. C'est quoi le titre, déjà? Ah oui. Save the Moonlight Project. Save the Moonlight Project.
C'est un beau projet, hein. C'est gentil. On la laisse passer dans le ciel. Des fois c'est crochu, des fois c'est dodu. Et alors quand on est blanc et complètement circulaire, on a vieilli d'un mois, mais on a gagné du charme neuf. Et c'est parfait. Et on attend la suivante. Et voilà. Ouais. J'ai réfléchi. Et c'est vrai que la pleine lune, ça les agite. Il y a une tension énorme et après, forcément, ça libère. Bah, tu vois le métier, quoi. Et, bah, il y a du monde. Oui. Ah, ça, oui, il y a du monde. Les nuits de pleine lune, il y a de l'électricité dans la vigueur. Et je bosse dur, je peux vous dire. Je me remplis les fouilles pendant que ces messieurs me remplissent la fesse. Sous grosse lune bien donneuse, il y a plus de plaisir pour les hommes, tu vois. Et je me sens utile parce que ils ont besoin de fouiller la divine cicatrice. Alors, forcément, si petit à petit il y a moins de force, si petit à petit il y a moins de lumière qui tombe là, économiquement, pour nous les pubs de nuit, ce sera moins rentable. Hein. Je te le dis d'expérience. Lorsqu'on s'approche du plein cercle, la sève s'accumule et alors ils ont les couilles énormes et lourdes. Et après l'amour, quand je finis le travail avec un peu de tendresse et que je leur caresse l'appareil, les boules ont la peau plus douce que du velours des années 30. Et ça, c'est signe de grand plaisir. La pleine lune, c'est comme le printemps, ça augmente tout, il y a une vigueur géante qui circule. Alors, forcément, s'ils se mettent à la bétonner, ben, il y aura moins d'influence, hein. Ce sera l'ennui, ce sera la dèche, il y aura moins d'appétit pour mon vieux cul, il y aura moins de pognon, moins d'emportement, moins de folie. Moi, ce que je veux, c'est la liberté pour tout le monde. Je veux la liberté pour les humains, je veux la liberté pour les insectes, je veux la liberté pour les planètes, pour tout. Parce que je vois bien le truc. Au départ, ce sera juste une sorte de bâtiment qui vont nous foutre là-dessus, et puis après, ce sera sans fin. Hein. Bah, la plupart du temps, l'homme est laid quand il se croit tout permis. Et j'en sais quelque chose. Non, mais l'humanité est bien marrante, je te jure, putain, la pauvre. Mais c'est ça qui est touchant. Moi, je te dis ce que j'ai au fond de la tripe. Et ma tripe, elle en connaît un rayon. Question rythme général. Sous pleine lune, l'homme connaît mieux la mort et connaît mieux la vie. Alors on touche à rien, là-haut, là. Enfin, c'est ce que je pense. Lune, prends garde à ces hommes qui veulent faire de toi un nouveau Saint-Tropez, un nouveau Mégève. Toi, astre patent, installé par les dieux, maison de mélancolie. Au secours! Zeus! Ne t'en fais pas, ma lune, ne t'en fais pas. Vous, les humains, je vous interdis d'essayer de l'envahir. Oui, parce que ce serait comme éteindre le mystérieux de ses clartés. Ce serait comme tirer le rideau sur le plus grand écran du monde. Vous savez, là où les forces profondes ont voulu éclairer la beauté. Très souvent en noir et blanc, et parfois même en couleur. Alors, c'est pas du cinéma muet, toute cette organisation? Le projecteur solaire, la Terre, la Lune, comme deux actrices raffinées,
le tout capté lors d'un travelling immense. Alors, vous les humains, vous allez coloniser Pluton, Saturne ou Mars, n'importe quelle planète lointaine, mais vous ne me gâchez pas le spectacle. Regardez-moi cette peau vaguement poilue. Dégueulasse. Pleine lune, au ciel et rien ne se bouscule dans ma chair. Il n'y a que les superlunes qui causent encore des effets immédiats et je deviens loup en une heure à peine. La pleine lune banale et lointaine ne jette plus assez d'entrain pour affronter tous les obstacles. Ces déchets spatiaux, ces milliers d'objets artificiels, ces satellites aux ailes miroitantes, tout ce fatras moderne réduit la communication avec le grand ballon blanc plein d'eau fraîche où tous les humains ont bu, boivent et boiront. Cette ferraille subtilement envoyée au fond de l'ombre. Pas avant, c'était autre chose. Chaque mois, la transformation avait lieu, aujourd'hui l'ennui guette. Les cosmonautes ne se contenteront pas de tournoyer dans leur carcasse métallique autour de la Terre. Ce sont les nouveaux pirates, ils vont dans les airs piller la tranquillité céleste. Des pirates envoyés par des marchands. De traîtres. De quel droit tu pilles la lune, toi? Mais t'es un malade? De quel droit tu troubles le mécanisme géant? Mais tu te prends pour qui? Nous, les loups-garous. Nous sommes les observateurs et les témoins de bouleversement qui a lieu et que fort peu d'humains ressentent. Il faut vite arrêter la pollution du ciel et dégager l'horizon. Sinon, la Terre sera totalement déréglée et pour ne parler que de moi, je resterai un simple humain sans métamorphose. Imaginez une société sans nous. Ça serait terrible. Car nous ne mangeons pas n'importe qui. Certains humains dégagent une odeur singulière, celle de la souillure de l'âme, celle de l'ordurière idée que notre faible nez ne remarque guère, mais que nous remarquons immédiatement parvenus à l'état de loup. Les lois ne savent pas bien mettre au pas toutes ces existences sordides et cupides. Mais
les loups-garous s'occupent d'eux dès que l'occasion se présente. Et l'occasion se fait rare, malheureusement. Pourquoi désobéir à l'ordre cosmique? Pourquoi quitter la gravité? Pourquoi? Pourquoi? Humains, chers humains, votez. Oui, votez blanc. Of course, votez blanc, chers humains, et votez blanc, blanc, votez blanc, oui, chers humains, n'hésitez pas, votez blanc, votez-moi. C'est du win-win. Hey, NASA, tu joues à quoi? Tu crois que la Lune c'est le ballon de foutage FIFA? Astronaute comme Neymar ou Barça, Armstrong, Aldrin, Conrad, chez Pepin, Scott Mitchell, Irwin, Dicta Trump et Poutine, au king de la Chine. Let the moonshine in. It's a moon, yo, mates. It's a moon, child. Je préfère Armstrong à la trompette que le porter un drapeau de conquête. Ouais. Save the moon, yo, mates. Save the moon, yo, mates. Je préfère Armstrong à la trompette que le porter un drapeau de conquête. Save the moon, yo, mates. Save the moon, yo, mates. T'es mal making of d'Apollo take-off. Je vois le futur en maps, mille ans sous ta nappe. Y'a plus d'utopie, ni la pomme à pie. Y'a plus d'appétit pour la pomme à pie. Je vois le futur en maps, mille ans sous ta nappe. Y'a plus d'utopie, ni la pomme à pie. Y'a plus d'appétit pour la pomme à pie. Le monde est sick, sick depuis que la foule. The moon full. Le monde est sick, sick depuis que la foule, foule, the moon full. J'préfère Armstrong à la trompette que le planteur de drapeau de conquête. Save the moon, yo, mates. Save the moon, yo, mates. Ouais. J'préfère Armstrong à la trompette que le planteur de drapeau de conquête. Save the moon, yo, mates. Ouais. C'est la blanche neige des nains, lampadaire dans l'ombre pour humain qui trempe la tête dans l'idée rapide et se shoot au bon speed. Meilleur copioïde, humadruide,
dans le luxe de la luxe limpide. Je suis un gibon sous l'une gibeuse. Je suis un nippon sous l'une flambeuse. Et quand y'a le smiley de l'au-delà, que t'habite Tito nous favela, tout le monde dit ciao bella. Que t'habite Tito nous favela, ouais. Tout le monde dit ciao bella. Je préfère apprendre la trompette que de porter un drapeau de conquête. Save the moon, humans. Je préfère apprendre la trompette que de porter un drapeau de conquête. Save the moon, humans. Save the moon, humans. Ouais. Save the moon, humans. Yeah. Hey, drink, drink. T'as vu l'évolution? Darwin? Tu crois que le monde, c'est du win-win?